Doit-on chercher sa propre gloire, Yorgo? Si quelqu'un parvient à accomplir une œuvre bonne ou encore une belle et grande mission, c'est par la force de Dieu qu'il peut l'accomplir, afin qu'en toute chose, le Seigneur lui seul soit glorifié, n'est-ce pas? Alors, qu'on s'observe en bonne conscience et qu'on ne soit pas comme ces gens qui causent des guerres et des divisions pour acquérir, Yorgo? Honneur et gloire. Pour acquérir très bien un titre d'honneur et de gloire et se construire une bonne réputation au détriment des autres. Sachant que de telles personnes se condamnent elles-mêmes devant Dieu, mais qu'on cherche plutôt, Yorgo. Qu'on cherche plutôt à satisfaire le besoin des autres. Mais qu'on cherche plutôt à satisfaire davantage le besoin des autres que nos propres besoins d'honneur, de bonne réputation ou encore de célébrité. Qu'on soit prêt à toute œuvre bonne, car ceux qui croient en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà ce qui est beau et utile à nos cœurs, devant les hommes, et bien sûr, surtout devant Dieu, n'est-ce pas, Yorgo? Lorsqu'on est juste et droit avec soi-même et les autres, on l'est très sûrement devant Dieu. On est sur la bonne voie. Tout le monde profitera du fruit de notre œuvre bonne, n'est-ce pas? C'est ainsi, Yorgo, en tant qu'élu de Dieu, on jouira dans la nouvelle terre et le nouveau ciel de Jésus. On jouira de l'œuvre de nos mains. On jouira de l'œuvre de nos mains, parce qu'on a la promesse de la vie présente et de la vie à venir avec Jésus, n'est-ce pas, Yorgo? On ne bâtira plus sa maison pour que d'autres viennent l'habiter ou l'occuper. On ne plantera plus de vignes pour que d'autres viennent dire que c'est eux qui ont planté ou travaillé. Le Seigneur reconnaîtra tout de même que le bonheur sera pour ceux qui le craignent et qui ont bel et bien travaillé, non pas pour leur gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas, Yorgo? De Dieu. La Providence s'est toujours donné des trésors de bonté. Mais ceux qui cherchent des trésors mal acquis, qui ne profitent à personne d'ailleurs, doivent avoir honte de leur récolte par la suite, Yorgo. Par la suite de la colère de Dieu. Par la suite de la colère ardente de Dieu. Car ils auront un jour ou l'autre à rendre des comptes devant Dieu. Veillons donc les uns sur les autres pour nous inciter aux œuvres bonnes. Que notre lumière brille devant tous afin qu'ils voient nos œuvres bonnes, non pas pour être reconnus du monde, mais pour rendre gloire seul à Dieu. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Christelle? N'est-ce pas là la plus belle et la plus importante des priorités pour commencer à le connaître, à l'expérimenter et à l'aimer? Et toi, tu l'aimes, Christelle? Je l'aime dans toute sa beauté. Très joli. Tu l'aimes dans toute sa beauté, sa splendeur et sa puissance. Et maintenant, Jésus a un coffre rempli de trésors juste pour toi. Parce que ton cœur, Christelle? Parce que mon cœur est juste et droit. Parce que ton cœur est juste et droit devant lui et que tu es élevé donc en esprit. Les fruits d'une bonne vie ne mûrissent que dans un cœur sincère. Et le Seigneur connaît chacun de nous. Il sait ce qu'on sera avec l'aide de sa grâce et de son amour. On sera, Christelle? On sera un cœur d'amour et de vérité. On sera un cœur d'amour, de lumière et de vérité. Et toi, tu sais qu'être sincère, c'est toujours vivre dans sa vérité. Et le Seigneur continue à poser un regard sur toi et voit toute la beauté de ton cœur qu'il en est bouleversé. Et tu viens te jeter dans ses bras. Il n'a que de l'amour pour toi. Il attend que ton cœur soit prêt à accueillir ses plus beaux trésors. Et tu seras de plus en plus témoin de son agir en toi et à travers toi vers tous les autres. On comprend alors très vite l'importance d'être à ses côtés. C'est à lui qu'on doit être accroché pour vivre de son amour, de sa paix, de sa lumière et de sa vérité. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Prier, c'est être uni de cœur à cœur au Seigneur. Ce n'est plus vivre dans les ténèbres de nos cœurs, mais à la lumière de la parole de Dieu. Ça dit ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, fais que nos cœurs s'ouvrent à ta lumière et à ton amour et qu'on commence très sincèrement à t'aimer et à t'écouter. Très jolie, très belle prière. Najwa, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, parce qu'on vit en nos cœurs ta parole d'amour, parce qu'on vit chaque jour ta parole de lumière, tu ne nous abandonnes jamais. Merci Najwa. Christelle, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, laisse ton esprit parler en nos cœurs pour être toujours honnête et sincère et comblé de ta vérité. Merci Christelle. Yorgo. Ô Jésus, ô Prince de la vie, qu'on s'approche toujours de toi pour que là où sont les ténèbres, on mette ta lumière, ton amour et ta paix. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, qu'il est bon d'avoir toujours une conscience pure face à ta vérité. Donne-nous toujours ce dont on a besoin pour continuer à avancer sur le chemin qui est le tien. Fais qu'on soit richement béni et divinement comblé. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Comme il est important de savoir que Jésus est toujours avec nous pour faire de nous des enfants de lumière. Pourquoi donc ne pas nous laisser guider intérieurement par un esprit renouvelé? Pourquoi ne pas adopter le comportement de l'être nouveau, créé saint et juste dans la vérité à l'image de Dieu? Il faut dire que le Seigneur ne nous a pas créés pour ne rien faire ou encore faire n'importe quoi, mais pour le suivre et vivre dans la droiture, la justice, l'amour, la paix et la joie. C'est Jésus qui nous présente la route nouvelle à suivre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire comment la prendre en bonne conscience. Toi aussi, tu peux tout à fait faire confiance au Seigneur pour le chemin d'amour, de justice et de paix qu'il a choisi pour toi. Tu le sais maintenant, c'est le chemin de ton cœur pour qu'il soit beau, fort, juste et droit. Et tu avances sur le chemin d'amour, de paix et de lumière qui est devant toi. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.